Bonjour les scorpions, je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour votre période anniversaire. Alors, le mois de novembre pour vous, quelles sont les quatre énergies qui vont vous suivre sur ce mois? J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Donc, bon anniversaire aussi aux scorpions d'octobre, bien sûr. Et je vous ai posté votre guidance anniversaire. Il y a de jolies énergies sur vous. Vous le savez, les spécialistes en astrologie le disent. Je vous laisse aller le voir. Il y en a plein sur YouTube. C'est passionnant ce qui se passe au-dessus de notre tête et au-dessus de la vôtre et de la nôtre, du coup, puisque je suis Vénus en Scorpion. Et du coup, oui. C'est sympathique, cette énergie scorpion. Allez, voyons ce qu'il en est de votre énergie domaine par domaine. Pour vous, on va demander à Gaïa et on aura le Love Tarot comme le mois dernier en fin de guidance. Alors, votre fil rouge, l'énergie cadre de votre mois, de notre mois du coup. Ça sera celle-ci. Au niveau de votre vie quotidienne, le domaine sociétal, c'est celui-ci. Et puis, au niveau des émotions, du chakra du cœur, des sentiments, celle-ci m'appelle. Et la quatrième colonne, c'est ce que vous devez vous dire, Gaïa, c'est la surprise qu'elle a envie de vous dire. Donc, sans que je l'oriente, sans que j'oriente un domaine particulier. Celle-ci. Voilà le panorama énergétique de votre mois, de votre période anniversaire, ami Scorpion. Alors, le 2 de Pentacle, le 2 de Terre, vous jonglez. Il y a des choix qui vont s'opérer sur cette période pour vous. Vous avez le roi d'eau, le roi de cœur. Dans votre vie quotidienne, donc le roi, c'est votre énergie, c'est aussi une énergie de bien-être, c'est un socle énergétique de bonté, de beauté, donc visiblement un quotidien plutôt positif, oui, très positif, puisque vous avez sur le plan des émotions un 4 d'eau, c'est-à-dire vous portez un étendard, vous avez l'abondance, les poissons qui reviennent à vous, vous retrouvez de la couleur au niveau de vos émotions et c'est peut-être ça qui vous met dans une situation de bien-être au niveau de votre vie quotidienne. Et au niveau de la carte conseil ou de ce que veut vous dire Gaïa, elle est en train de vous dire que concrètement dans la matière, puisque je suis sur un 11 de terre, donc c'est très concret, c'est très palpable, vous avez accès à un grand équilibre, à quelque chose de très très stable. Et on voit un 4 ici, c'est stable, le roi de cœur est stable, et donc peut-être que le choix qui va s'opérer... On va voir, peut-être en début de mois, je le vois comme ça, peut-être que ça va vous conduire vers un nouvel équilibre qui va être très palpable. Hein, on est dans le concret, très palpable sur la fin du mois. On va essayer d'aller préciser tout ça pour vous. Pour nous, du coup. Vénus est importante aussi bien que la lune, je trouve que signe lunaire. Allez, c'est parti pour les scorpions avec qui je connecte. J'en ai loupé, c'est pas grave parce que c'est celle-là qui va au-dessus. Voilà. Vous avez un roi de bâton ici. Le roi de l'action. Alors, quelle est cette action? Roi d'action, reine de coupe. La reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe, vous avez le couple ici, c'est votre énergie, mais je préfère avancer. Roi d'épée, wow, queue de tête couronnée, il y a du monde. As d'épée, je continue. 5 d'épée, j'en remets une petite.
Sept de bâtons. Et la roue de fortune. Ok, je vous raconte votre petite histoire. Je vous dis tout ça. Il y avait quoi après? La grande transformation. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous menez, c'est vous qui prenez cette action. C'est pour ça que vous avez des choix. Je vous avais dit, elle se trompe rarement, hein, Gaïa. Il y a des choix à faire. Vous prenez la décision peut-être plus d'accentuer votre vie sur du bien-être, hein, sur le bien-être émotionnel. Et là, on le voit, c'est une vraie réussite. C'est plutôt que finalement sur la mentalisation des choses. Et vous êtes vraiment, vraiment décidé à changer quelque chose dans votre vie et d'aller vraiment en finir avec peut-être des tourments et de ne pas donner finalement de l'importance à ce qui est lié à votre chakra du cœur. Comme je le dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et c'est comme si vous vouliez vraiment arrêter de vous prendre la tête pour des choses qui sont futiles. Sept de bâton, c'est ça, c'est être arc-bouté sur des choses qui vous obsèdent. Et on voit bien avec la roue de fortune que vous êtes aidé en plus par l'univers. Il y a l'univers qui vous aide à tourner les choses. Et donc c'est ça qui va peut-être en début de mois vous faire jongler entre raison et passion. Voilà comme je le ressens et comme je le vois pour vous sur ce mois. Est-ce que je tends plus vers la raison ou est-ce que je tends plus vers la passion? Et j'ai l'impression que vous en avez un peu ras-le-bol d'être raisonnable, ami Scorpion, et qu'il y a un tournant qui s'opère ici, et que finalement, de ne pas être forcément raisonnable et de choisir plutôt le cœur plutôt que la raison, c'est ce qu'on voit ici au centre de votre jeu, ça va finir par payer. C'est ce que dit Gaïa en disant, ben, n'ayez pas peur, finalement, de choisir plutôt le cœur et non pas la raison, ben, ça peut être très très profitable. C'est ce qu'on vous dit ici sur ces trois cartes. Donc votre quotidien, il est fait du roi de coupe. Le roi de coupe, il est assis sur un trône dans lequel il se sent bien. On est sur favoriser justement le cœur plutôt que la raison. Favoriser le bien-être plutôt que de... Donc il y a peut-être des choix qui vont s'opérer au niveau de votre travail, au niveau de votre environnement, en disant, ben, et peut-être, zut, je vais peut-être aller travailler moi et m'occuper plus de moi. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. On va voir ce qu'il en est. Le roi de Pentacle, on est tout à fait là-dessus. Le roi de Pentacle, il est sur la construction d'un travail, sur la constitution d'un socle matériel et financier. Donc on parle bien de ça, c'est ce que je vois ici. Roi d'épée de nouveau, qui tranche, qui coupe avec cette obsession finalement peut-être de plus travailler et d'avancer. Ben là, on a tous les rois. Roi de feu, on recommence avec les rois, c'est le même jeu. De couper avec la raison. Moi, je le vois comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie parce que vous allez faire de nouvelles orientations professionnelles ou de nouvelles orientations ou de nouveaux liens amicaux ou que sais-je? Mais en tout cas, vous sortez une des plus belles cartes qui soit, vous sortez le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Alors, je ne sais pas, l'exemple type, les gens, pendant le Covid, par exemple, les gens ont voulu sortir des villes pour aller vivre à la campagne. C'est des choix comme ça. Je vois quand même, on est sur quand même une roue de fortune ici qui est assez puissante. Et c'est comme si votre quotidien, vous vouliez vraiment avoir une transformation, une profonde transformation de votre mode de vie. C'est assez profond, c'est assez particulier comme tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voyez, la carte qui vient juste après, c'est le monde. Il y a une fin de cycle pour vous, très clairement, deux fois. Hein, et un aboutissement. Comme si vous aviez œuvré pour finalement faire plus ce que vous aimez, plutôt que... Oui, on a la passion, juste après, je regarde le dos de deck.
J'ai l'impression que vous allez être sur ce mois anniversaire, sur cette période anniversaire, plutôt à vous dire qu'est-ce que j'aime, plutôt que vous dire qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que c'est votre fil rouge. Vous allez jongler à un moment donné en disant, est-ce qu'il n'est pas temps de satisfaire plutôt ce que j'aime à défaut de vrai pour finalement l'être sera plus important que le faire dans cette période pour vous. Et ça sera vraiment l'accomplissement pour certains presque d'une vie. Élever des chèvres dans le Larzac, par exemple, je vois des choses assez. Je vois des tournants à 180 degrés quand même. Et c'est vrai que c'est assez puissant. On va pas se nier. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Neuf de coupe plus monde. Et c'est comme si vous vous offriez le droit de le faire sur cette période-là. C'est assez fort. Du coup, ça vous amène à un étendard. Vous êtes comme un étendard. Vous avez l'abondance des émotions, l'abondance des sentiments. Vous avez l'équilibre de votre chakra cœur qui revient. Vous avez la lumière dans le cœur. Et c'est assez beau hein, comme vision des choses. Comme si vous changiez le sens de vos priorités. Oui, c'est ça. C'est un changement du sens de vos priorités. Raison ou passion? Alors, on va voir ce que ça vous réserve. 5 de deniers, la disette, le manque financier. 5 de bâton, le manque d'action. 3 de coupe, la fête. C'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, c'est zut, j'en ai ras-le-bol, 6 de bâton, c'est la victoire. J'en ai ras-le-bol de me battre contre le manque financier, de me battre contre le manque d'action, de me battre contre des moulins à vent. J'ai envie de fête et ça va être un véritable succès. C'est la liesse, le 3 de coupe. Plus le 6 de bâton, on est vraiment dans la liesse, dans la fête. Vous avez envie de vivre sur cette période. Et c'est une très très grande force intérieure que vous avez, une très très forte envie. Ça va être compliqué de vous arrêter. Pour vous, vous avez la bonne connaissance et vous savez ce que vous faites avec la papesse. Et ça va être une réussite et ça va arriver plus vite que prévu en plus avec le chariot. Il y a quelque chose de très très fort et de très puissant. Vous voyez en dos de deck, c'est le soleil. Donc vous en verrez peut-être les effets véritablement sur le mois de décembre puisque je suis sur un dos de deck. Mais c'est vraiment ça, vous êtes sur la fin d'un cycle en disant j'ai l'impression que je m'adresse, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, elle est particulière cette guidance. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui disent, mais j'en ai marre de me battre contre des moulins à vent. Est-ce qu'il n'est pas temps, grand temps aujourd'hui, de penser à ce que j'aime, à ce que je veux vivre, à ce qui me fait du bien, à ce qui me fait plaisir? Et c'est l'aboutissement d'un rêve pour certains. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont vraiment, qui ont espéré ce moment-là. Ça peut être un départ en retraite, hein, aussi, hein. Ras-le-bol, ça peut être aussi profiter d'un plan social pour avoir plus de liberté. Je vois beaucoup plus de liberté. Alors, est-ce que c'est une liberté d'action ou c'est une liberté psychique? Peu importe. Mais en tout cas, il y a une liberté retrouvée qui vous fait énormément du bien. Mais ça va vous quand même vous tracasser à un moment donné et en vous disant, moi, est-ce que je fais quand même le bon choix? Ce qui est normal parce que j'ai vraiment la sensation que vous changez de mode de pensée et même carrément de mode de vie. Valet de denier, oui, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Le départ est un balbutiement de nouveau départ. 10 d'épée. Oui, c'est un ras-le-bol total. Un ras-le-bol total et qui est recouvert par l'as de Pentacle. L'as de Pentacle qui vous montre ici, cet as de Pentacle, que c'est une nouvelle opportunité.
Il y a une nouvelle opportunité qui vous redonne un équilibre concret dans la matière. Ça peut être aussi un nouvel équilibre financier. Ouais, les cartes qui suivent vous disent que vous pouvez avoir foi en l'avenir. C'est une nouvelle orientation, une nouvelle volonté, une nouvelle... ceux avec qui je connecte, il y a un déménagement, il y a quelque chose de puissant quand même, il y a quelque chose de fort. C'est un tournant de vie qui est quand même relativement important avec en plus cette roue de fortune qui montre bien que oui, il y a un cycle qui se termine, roue de fortune plus monde, un cycle qui se termine et un bel accomplissement à la clé. Mais c'est vrai que vous changez le sens de vos priorités. Vous donnez plus de priorité à votre bien-être. C'est très très clair. Il y a un tournant qui s'opère ici. Vous ne voulez plus avancer. Ouais, accepter. L'acceptation. Carte 55-10, on est bien sur un tournant ici, un ras-le-bol complet. Ici, vous acceptez, bon, ben, peut-être une demande en mariage, bon, c'est ça qui est mis, mais vous acceptez surtout une nouvelle lumière. C'est accepter qu'il y ait un choix à faire et que ce choix soit plus le choix du bien-être plutôt que de la raison. C'est comme ça que je vois les choses. Qu'en est-il de l'amour, véritablement, pour les scorpions qui sont en couple? Une, s'il vous plaît. Pour les scorpions qui sont en couple, il y a une très jolie lumière. Il y a une très jolie lumière, il y a une très belle... connivence. C'est pour ça aussi peut-être que il y a des gens qui viennent se mettre en couple et qui se disent bah, c'est peut-être ça que je vais vivre, une complicité, une connivence, plutôt que de bosser. On a eu trois rois coup sur coup et après on coupe avec ça. C'est vraiment le sentiment que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de plus de plaisir, vous avez envie de plus de beauté, vous avez envie de plus de bonté. Roi de bâton. Ouais, le nouveau départ. Vous avez une nouvelle envie, vous avez de nouvelles envies d'action dans le couple. Vous voulez vous concentrer plus sur le bien-être. Ça, ça se retrouve complètement même avec le Love Tarot et même en termes de sentiments amoureux. Pour les scorpions célibataires, une volonté, c'est l'appareil, l'as d'épée, de couper avec peut-être le célibat, mais couper avec un mode de fonctionnement, un mode de vie. On est complètement en raccord avec le reste de la guidance. Ça se complète parfaitement. Un cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une nouvelle offre, puisque on a ici une nouvelle offre qui vous fait du bien, visiblement. Oui, et on a le 10 de pentacle. Vous avez envie d'autre chose et on a le renouveau, on a la seconde chance en deux decks. Il n'est pas dit que vous avez... il y en a peut-être aussi, il y a peut-être certains scorpions qui ont envie de redevenir célibataires aussi. De reprendre leur liberté avec le fou et c'est un peu lié. Mais il y a un vent de liberté qui souffle. Sur ce mois, sur cette période anniversaire pour vous, amis scorpions. Et vous libérer de carcans et faire des choix qui sont des choix de sens plus que des choix de raison. Mais c'est... Il y a un autre signe, je ne sais plus parce que du coup, j'arrive au bout, mais il y a un autre signe qui
aller voir, j'ai intitulé Remettre du sens à votre vie. Ben, c'est un petit peu ça. Vous remettez du sens à votre vie. Vous donnez un autre sens à votre vie. Vous vous donnez de nouvelles de priorités. Et c'est vrai que pour moi, la nouvelle priorité, on est plutôt sur une nouvelle priorité plutôt émotionnelle et amoureuse pour cette période-là. En tout cas, c'est très doux. Je ne sais pas si vous entendez ma voix, il y a de la douceur, il y a beaucoup de douceur et il y a de l'aboutissement surtout. Je vous souhaite donc un très joli mois de novembre, une très belle période anniversaire pour vous, amis Scorpions. Très heureuse de cette jolie douceur, c'est un tournant, encore une fois, avec ces deux cartes de fin de cycle, qui, visiblement, selon Gaïa, va vous apporter un très très grand équilibre, mais concret. On est dans la terre, on est concret parce qu'il y a un as de Pentacle ici qui prône l'opportunité. Merci infiniment encore, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté, les scorpions.